vous êtes là. Vous... Bon, je vous le cache pas. Je sais plus du tout où j'habite. C'est... Je comprends pas du tout ce qui se passe. D'ailleurs, on est sur quelle chaîne? C'est compliqué tout ça pour le cerveau d'un mec qui fait de la muscu. Muscu? Muscu? Non, c'est pas ça. Il y a forcément un point commun avec tout ça là. Oui, on est sur Inter Télé et le sujet du jour c'est l'airsoft et le cinéma. En ce qui me concerne, l'airsoft c'est une véritable passion, une discipline sportive. Et en France, notre loisir a une image assez controversée pour les néophytes. Mais nos équipes d'airsoft ne sont pas utilisées que pour pratiquer l'airsoft de manière standard. Elles sont utilisées par les militaires et les forces de l'ordre pour s'entraîner. Et aussi dans le cinéma pour remplacer les armes à blanc. En tant qu'airsofteur, vous, comme moi, on est très pointilleux et très observateurs sur les armes qui sont utilisées dans les films ainsi que les tenues des soldats et personnages badass que l'on peut retrouver dans les films et dans les séries. Et il n'est pas rare que des fois, de temps en temps, on voit une petite molette de chargeur high-cap dans un film ou une série. Pourquoi choisir nos répliques d'airsoft plutôt que des répliques d'armes qui tirent à blanc? Ça peut être une question de budget, une question d'assurance, une question de réglementation et aussi pour gagner quelques minutes sur les tournages qui peuvent être très précieux. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il n'y a pas que des avantages à choisir nos chers répliques d'airsoft pour une œuvre audiovisuelle. Et oui, ça demande un long travail en post-production pour recréer avec un maximum de réalisme les effets de tir, les effets de fumée, les éclairages. Et très souvent, pour faire tout ça, le temps en post-production est multiplié par 3, voire par 4. Donc... Et ensuite, en tant que comédien amateur, tirer et se faire tirer dessus avec des armes à blanc, ça a un tout autre impact sur notre jeu et du coup sur la scène en question que l'on est en train de jouer. Il faut savoir ce qu'on veut, choix artistique, choix budgétaire, et la plupart du temps pour les petites productions comme nous, c'est le choix du budget qui l'emporte. J'adorerais utiliser des armes à blanc sur Phoenix, mais vu le nombre d'entre elles qui devraient être utilisées, plus l'aspect futuriste de certaines d'entre elles et le nombre de munitions qu'il faudrait utiliser, le budget exploserait littéralement, donc je ne peux vraiment pas me le permettre. Tout comme la web-série Spotters Rift sur laquelle j'interviens, je leur fournis beaucoup de répliques d'airsoft, quasiment toutes les répliques d'airsoft qui sont utilisées dans cette web-série. Je vous propose d'y jeter un coup d'œil. En premier, vous avez ce M4 avec un kitrice S-System et équipé d'une crosse de LR300, le LR300 présent dans la saga de jeux vidéo Stalker. Là, on parle d'armes parce qu'on parle de l'univers de la web-série Spotters Rift, donc forcément, là, c'est une réplique que j'ai, mais dans la série, c'est une arme. Donc alors, cette arme est utilisée par le personnage de Laris dans un univers comme celui de Spotters Rift. Quand on voit un personnage avec une arme de ce genre-là, on se dit, ce gars-là, il est dans un groupe qui est important, qui a de nombreuses ressources, faut pas trop l'emmerder parce qu'il y a sûrement d'autres bonhommes derrière. Ensuite, vous avez mon bébé, le Asval. Fusil d'assaut célèbre de notre belle la Russie. Oui, j'ai un accent russe vraiment dégueulasse, je sais. Ce fusil d'assaut est utilisé par mon personnage dans l'univers de Phoenix. Vu que c'est une arme qui est efficace à courte et à longue portée et avec un calibre assez perforant et de plus silencieuse, c'est vraiment parfait dans un univers post-apocalyptique très dangereux. Ma réplique de Asval est elle aussi utilisée dans la web-série Spotters Rift par un des personnages principaux, Hélène. Mais je ne vous spoile pas sur le pourquoi du comment. Pour ça, vous allez devoir regarder la série quand elle sortira. Là, je ne vais pas vous parler d'une réplique personne, je vais vous parler d'une arme qui a été neutralisée. Ce fusil à canon scié que vous retrouvez dans la web-série Spotters Rift, encore une fois, que mon personnage de Bébert essaye d'utiliser lors de son combat. Ce genre d'arme est très présent dans les univers post-apocalyptiques. On va pas se le cacher, pour faire des ravages à courte distance, quoi de mieux qu'un bon vieux canon scié? Ce genre de canon scié aussi très présent dans l'univers de la saga de jeux vidéo Stalker. On repasse à Michael Gersoft maintenant. Le SIG S752 utilisé par le personnage de Joe dans la web-série Spotters Rift. Tout petit, mais tout aussi efficace pour buter du noirceur. D'après mes recherches, parce que là je vois venir certains Gyarados, ça n'est pas mon domaine de gear, donc s'il vous plaît, j'ai fait ce que j'ai pu. Cette arme est utilisée par les forces spéciales suisses et les commandos français. Elle est très stable au tir et peut être utilisée après avoir été plongée sous l'eau, ce qui est quand même très efficace dans des univers très hostiles comme celui de Spotters Rift. Pour revenir à mon film Phoenix, vous avez un MP5 A5 qui est utilisé par le personnage d'Anna, MP5 A5 de la marque Sima Full Metal. On ne fait plus la renommée de ce petit pistolet mitrailleur allemand qui est utilisé dans le monde entier, Deutsche Qualität. Toujours dans Phoenix, vous avez une réplique de fusil à pompe Mosberg 870, utilisée par le personnage de Matt, le genre d'outil qui est vraiment très efficace pour faire du nettoyage à courte portée, et aussi très présent dans l'univers de Stalker. Non, je n'aime pas du tout cette saga de jeux vidéo.
Ensuite, vous avez une réplique qui vous donne The Badass Attitude. Le M16 avec le lance-grenade et le garde-main troué. Le M16, on ne fait plus sa renommée aussi, célèbre fusil d'assaut américain avec son lance-grenade M203. Cette arme, vous pouvez la retrouver dans mon film préféré, Predator, avec Arnold Schwarzenegger, qui utilise cette arme-là. Cette réplique est utilisée dans le film Commando Ninja, et c'est mon personnage qui s'en sert lorsqu'il est au Vietnam. Donc autant vous dire que lorsqu'on m'a annoncé ça, kiki coupure. On est de retour dans Spotter's Drift, et là je vais vous présenter mon préféré de la série, une autre réplique d'Airsoft, la dernière, le CFAWP. Quoi, il a quand même de la gueule. Si, si, il a de la gueule. Ce petit bricolage typique post-apocalyptique est en réalité une réplique de sniper type VSR-10 qui a été montée sur une vieille crosse de carabine à plomb, et comme vous le voyez, il n'y a plus du tout de viseur dessus. Eh ben oui, on est dans du post-apo, on fait comme on peut. Ce fusil de chasse, parce que là oui, on parle du fusil de chasse dans la série, il est utilisé par le personnage d'Hélène dans la saison 0 et dans la saison 1. La saison 0 est disponible sur YouTube et la saison 1 est actuellement en cours de tournage. Voilà les différentes répliques d'Airsoft qui sont utilisées dans les projets audiovisuels auxquels je participe. Trois univers et trois formats qui sont totalement différents. Nos chères répliques d'Airsoft sont utilisées bien plus souvent que ce qu'on pourrait penser dans des films et dans des séries. Au niveau des films, j'ai souvenir d'un film français avec Jean Reno, Anti-Gang, dont beaucoup de répliques d'Airsoft ont été utilisées. Ensuite, au niveau des séries, vous avez Luke Cage, NCIS Los Angeles, Walking Dead et bien plus de petites séries et petits projets audiovisuels qui optent comme nous pour des répliques d'Airsoft. J'en profite pour vous glisser un petit mot à propos de la web-série Spotter's Drift qui fait en ce moment une campagne de financement participatif pour pouvoir aider au financement de la première saison. Ça serait vraiment super cool si vous faisiez un petit don. Je vous remercie d'avoir regardé. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram. Et n'oubliez pas, l'Airsoft, c'est juste un jeu. Même si aujourd'hui, ça semble un peu plus que ça.